Comment transformer 50 mètres carrés en 500 mètres carrés? C'est tout de suite. Pardon, pardonnez, on peut retrouver l'azadratine dans les feuilles de nîmes comme dans les graines de nîmes, c'est ça non? Oui. Maintenant, les concentrations d'azadratine sont beaucoup plus fortes dans la graine que dans les feuilles. Oui. Vous comprenez? Oui. Alors, pour faire un litre, un pulvérateur de 16 litres, d'accord, il faut piler 10 kg de feuilles de nîmes. On est d'accord? Oui. 10 kg de feuilles fraîches de nîmes, d'accord? Maintenant, quand on va finir de piler, on va ajouter du savon. Le savon naturel, ça peut être le parmida ou bien coton. C'est ça, non? Coton là, ça va permettre de faire quoi? Qui va me dire le rôle de coton? Quel est le rôle du savon? Le coton, son rôle, c'est d'adhérer la solution, l'extrait aqueux de nîmes à la feuille de la plante qu'on veut traiter. C'est comme un rôle de collant. Ça va coller la feuille de nîmes, d'accord, à la feuille traitée. Sinon, si on pulvérisait, l'eau va descendre facilement. Est-ce que vous comprenez?
Maintenant, si on veut encore pimenter le mélange, on apporte aussi les feuilles d'Ithy suavelens. Ithy suavelens, c'est une feuille qu'on appelle Zansoupema au Bénin, en langue nationale fon. Vous allez taper ça dans Google et chercher dans la langue de votre pays. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, cette étape passée, on va maintenant partir au niveau de... De quoi? De quelle étape? On va piler, non? Oui. On pile tout le mélange? Oui. D'accord. Allez. On commence à piler. Vous pilez sérieusement jusqu'à ce que ça devienne une pâte. Et c'est cette pâte-là qu'on va presser maintenant dans 16 litres d'eau. Vous comprenez? On n'ajoute rien à la pâte. C'est dans cette pâte-là qu'on va presser dans 16 litres d'eau pour mettre dans le pulvérisateur. Vous avez compris? Voilà, agriculteur moderne, notre dispositif de production de jardinage hors sol. Voilà. Doucement, madame. Voilà, donc c'est le dispositif de jardinage hors sol qu'on a installé. On a installé trois niveaux de production. L'avantage de ce type de dispositif, ça vous permet de produire non seulement en bas ici, regardez en bas, ça vous permet de produire en bas, et aussi ça vous permet de produire en hauteur. Donc vous pouvez faire le double de la quantité normale de pot qu'on peut avoir sur une superficie de 400 mètres carrés. Même faire multiplier par 10 si vous voulez. Ça dépendra du niveau de technicité de ce qui va le fabriquer. Voilà, donc c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça a commencé. La question que là, je vous ai déjà donné. Donc là maintenant, nous sommes en train de préparer notre solution insecticide nature. Et qu'est-ce qu'on a fait? Qui va me dire ce qu'on a fait juste pour aboutir à ce résultat? Qui va me dire ça? Une personne pour parler, s'il vous plaît. On a cherché les feuilles de nîmes. Parlez un peu plus fort. On a cherché les feuilles de nîmes. Et on a fait le feuillage. Ouais. Enlevé les feuilles des branches là. Ouais. Puis nous avions pilé pour obtenir une pâte molle. Ouais. Après ça, on a mélangé ça à de l'eau. Attendez d'abord, je vais presser ce qui est ici. Pour oui. avoir une solution. Pour avoir une solution. Oui. Ouais. Et après, on a passé ça au tamis. Au tamis. Oui. Alors, donnez-moi le moitié. Pour filtrer l'eau. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à la quantité de biomasse qu'on doit collecter pour faire remplir un pulvérisateur de 16 litres d'eau? 10 kg de biomasse. Maintenant, est-ce que vous savez, on peut faire une méthode encore beaucoup plus améliorée. Est-ce que vous savez comment on presse le manioc? Oui. Vous savez comment on presse le manioc, non? Oui. Vous savez qu'il y a, un dispositif, une presse spéciale pour presser les trucs de manioc? Oui, oui, monsieur. Vous pouvez faire exactement comme ça lorsque vous faites une grande quantité. Vous mettez dans un tissu en fichier là, et vous mettez sur la presse, vous déposez votre seau en bas et vous pressez, c'est-à-dire vous pressez tout le jus. Et si un revendeur va acheter pour revendre, il va vous vendre ça à 11 000 francs CFA. Alors que vous avez la possibilité de l'avoir vous-même à la maison. Vous comprenez? Oui, voilà. Donc vous voyez maintenant pourquoi l'agriculture biologique, les produits bio sont chers. Ouais, c'est beaucoup de travaux, beaucoup de travail derrière. Quelqu'un peut me remplacer pour presser encore? Oui. Sinon, on va dire que c'est ma soeur qui est pressée. Vous ne savez pas comment vous pressez. C'est bon? Maintenant, ça là, on n'a pas fini de presser. Hein? On va passer encore une seconde couche. On n'a qu'à finir avec ce qu'il y a dedans d'abord. Oui, non, on ne va pas piler. On remet dans le seau. On repasse une dernière fois. Maintenant, si c'est avec la presse de manioc, on passe une seule fois et on est sûr qu'on a tout aspiré.